Oh, allô?
Ah, désolé pour le délai. Il a fallu que je redémarre le podium. J'utilise probablement Windows. OK. Donc, je vois que 27 personnes ont vu la page, mais que zéro personne ont suggéré des choses à faire pour les deux sessions. Donc, l'invitation est encore là. Si vous avez des idées de sujets là, pour les sessions, vous publiez ça dans la petite boîte en bas. On va pouvoir discuter de ça à nos deux sessions d'information. OK. Ensuite, je vais aller au devoir 5. Y aurait-tu des questions générales pour le devoir 5? Non? Tout le monde a fini? OK. Pardon? C'était drôle, ça? OK. OK. Alors, pas de questions? Donc, je ne sais pas si ça va durer tout le 80 minutes. S'il nous reste du temps, bien, ceux qui veulent, on pourra jaser du cours d'informatique, de carrière, d'expérience étudiant, ou vous pourrez faire autre chose. Donc, je vais y aller. Donc, c'est notre dernier cours. On parle d'un type abstrait de données bien particulier qui s'appelle les arbres binaires de recherche. Puis vous avez remarqué qu'on a joué avec les arbres binaires de recherche, une méthode pour déterminer si quelque chose, une clé est dans l'arbre, pour parcourir tous les éléments, mais on n'a même pas une méthode pour ajouter des éléments. Fait que peut-être qu'on aurait besoin de ça. Donc, ça va être un de nos objectifs, d'avoir une méthode pour ajouter des choses dans un arbre binaire de recherche. OK, donc, en général, les arbres, c'est des structures qui sont hiérarchiques. Il y a une racine, puis il y a des niveaux. La technique qu'on a vue ici, c'est d'utiliser des nœuds chaînés pour implémenter nos arbres. On a vu qu'il y a deux façons de faire les traitements. Il y a des traitements qui s'implémentent facilement avec des itérations. Quand je parle d'itération, je veux dire déclarer une variable de type node, mettons current, désigne la racine, puis ensuite je fais une série de branchements. Tant que je n'ai pas ce que je veux, je fais des tests. Est-ce que current.node a une certaine valeur? En comparaison avec ma clé, je fais une décision, je vais à gauche ou à droite, c'est-à-dire current égale à current.left, current égale à current.right. OK, donc ça, c'est itératif. Et s'il faut parcourir plus qu'une branche, s'il faut aller faire des traitements à gauche puis aller faire des traitements à droite, c'est assez difficile de ne pas écrire des méthodes récursives. Je vous invite à essayer, à dire « Marcel, tu ne connais rien, regarde-moi, je suis un ninja, ceinture noire, regarde ça, je vais te montrer ». Je vois souvent, dans l'examen final, c'est intéressant de voir comment les étudiants réfléchissent. Je vois souvent des étudiants ils écrivent du code pour parcourir un arbre, puis leur méthode, ce qu'elle fait, elle visite tous les éléments de la branche gauche, tous les éléments de la branche droite, puis là, ils pensent qu'ils ont fini. Ce qu'il y avait au milieu, là, tu n'as rien fait avec. C'est difficile de faire. Je vais faire tout ce qui est à gauche, tout ce qui est à droite. Une fois que je suis à gauche, je vais faire tout ce qui est à gauche, tout ce qui est à droite, puis refaire tout ce qui est à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, puis redescendre de l'autre. Essayez de penser à une façon itérative de faire ça. Pas super simple. Si on veut faire un parcours en ordre, il est assez facile d'utiliser une pile explicite. Ça, c'est même le fun à faire. Prendre la racine, je la mets sur la pile, je la reprends. À deux fils, je les mets sur la pile. Le dernier élément qui était sur le dessus, je le ressors. À deux fils, je remets ça là. Il y a moyen de traverser l'arbre en ordre avec une pile. En fait, je l'ai déjà dit, tous les algorithmes qui sont récursifs, on peut les transformer en algorithmes itératifs
en utilisant explicitement une pile. S'ils fonctionnent, les algorithmes récursifs, c'est parce qu'il y a une pile système derrière la récursivité. Une fois, j'avais une belle surprise dans un examen, parce que des fois, je ne fais pas les liens explicitement ici entre des sujets. Puis, il y avait un étudiant qui avait utilisé une file pour parcourir un arbre. Puis, j'avais trouvé ça super le fun. On n'en avait pas discuté en classe, mais il avait fait le lien. On a utilisé des fils pour parcourir le labyrinthe. On a appelé ça une fouille en largeur. Il y avait un arbre de recherche, puis on le parcourait niveau par niveau. Il m'a sorti ça dans l'examen. Il a utilisé la file, il ou elle, je ne me souviens pas. Puis il avait descendu dans l'arbre. J'étais comme, waouh! J'adore tout le temps ça quand vous me faites des belles surprises à l'examen final. On a parlé des arbres binaires de recherche. Donc, ceux-là, ils ont une qualité de plus qui est que on impose que les clés soient comparables. Et par construction, on s'assure que ce qu'on insère dans le sous-arbre gauche, c'est des éléments, des clés qui sont strictement plus petites que la clé dans la racine courante. Et ce qui est à droite, c'est des clés qui sont strictement plus grandes. Okay? Donc, c'est quelque chose qu'on impose, on l'obtient par construction avec la méthode ADD. On a vu que c'était finalement pas trop difficile à implémenter aussi. Donc, changer de couleur ici. Binary Search Tree, ça fonctionne pour tous les E qui sont comparables. J'ai une classe imbriquée. C'est la même que j'ai utilisée pour mes listes chaînées, que j'ai utilisée pour les piles. Même genre d'idée. Au lieu d'appeler ça Next puis Previous, j'ai appelé ça Gauche puis Droite. Puis, j'ai une variable d'instance qui pointe vers la racine. Okay? Donc, tout ça, on a déjà vu ça. En termes de diagramme de mémoire, ça ressemble à ça. Il y a un objet, j'appelle ça l'entête, moi. C'est l'objet de la classe Binary Search Tree. C'est celui-là qui a une variable d'instance root de type node. Ça, c'est un exemple d'objet de la classe node, variable d'instance left, variable d'instance right, variable d'instance value, puis les valeurs sont comparables. OK? OK. Donc là, je vais passer, je vais essayer d'aller vite, là, quelques minutes juste pour définir des termes. OK? Ceux d'entre vous qui vont suivre le cours de structure de données, vous allez explorer toutes ces idées-là plus en détail, mais on dit qu'un arbre binaire est plein si tous les nœuds ont exactement deux fils, sauf s'ils sont des feuilles. Il y en a qui ont zéro descendant. Il n'y a aucun nœud qui a un descendant. Et donc, tous les autres ont forcément deux descendants. Quand ça arrive, on appelle ça un arbre qui est plein. Pourquoi est-ce qu'on aime ça, nommer les choses comme ça? C'est parce que ça nous permet de décrire des formules pour compter des éléments ou des propriétés ou créer des bornes sur le nombre d'éléments ou la profondeur dans un arbre. Okay? Prochaine idée qui est assez importante, c'est les arbres balancés. On dit qu'un arbre est balancé si tous les nœuds qui sont à profondeur D-1, ou moins de D-1, ont exactement deux fils. Si on renverse l'argument, ce que ça veut dire, c'est les nœuds qui n'ont pas deux fils sont situés sur les deux derniers niveaux. C'est ça que ça dit. Donc ici, ces nœuds-là ont aucun descendant et ils sont sur le dernier niveau ou sur le niveau d'avant.
Ici, on a un nœud qui a un seul descendant et il est situé sur l'avant-dernier niveau. Donc, les nœuds qui ont zéro descendant ou un descendant sont situés soit au dernier niveau ou celui qui est avant. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant juste pour parler de propriété des arbres. Encore une fois, c'est des idées qui sont plus développées dans le cours de structure de données. Est-ce que ça, c'est un arbre qui est balancé? À votre avis? Non, puisque il y a un élément ici qui a zéro descendant et il n'est pas sur l'un des deux derniers niveaux. C'est intéressant, les arbres qui sont balancés, parce que on peut parler du nombre, de la relation qui existe entre la profondeur d'un arbre et le nombre total d'éléments qu'il y a dans l'arbre. Si l'arbre y est balancé, on va avoir que la profondeur maximale de cet arbre-là, c'est le log en base 2 du nombre d'éléments qu'il y a dans l'arbre. Okay? C'est assez facile à voir. C'est un petit peu pâle, donc mon argument de c'est facile à voir n'est peut-être pas si clair que ça. Mais ici, on a deux arbres qui ont 1, 2, 3, 4, qui ont une profondeur d égale à 4. Ils sont balancés, puisque les éléments qui ont un ou pas de descendant sont situés sur les deux derniers niveaux. Celui qui est ici, c'est l'arbre ayant le moins de nœuds qui a quand même une profondeur D. Il y a un seul élément à profondeur D. Si je retire celui-là, il devient profondeur D moins 1. Donc, le minimum pour avoir profondeur D, c'est d'avoir au moins un nœud qui est à profondeur D. Cet arbre-là a 2 à la D éléments. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 à la 4, c'est 16. Celui-là ici, le dernier niveau est complètement rempli à capacité. C'est l'arbre de niveau D qui a le maximum d'éléments. Si je veux en ajouter un, il faut que je l'ajoute sur la prochaine rangée, puis donc il devient D plus 1. Donc c'est l'arbre ayant le plus d'éléments et qui a une profondeur D. Bien, cet arbre-là a 2 à la D plus 1 moins 1 éléments. S'il y avait un élément ici, il y aurait exactement 2 à la D plus 1, mais puisqu'on n'a pas cet élément-là, ça devient moins 1. OK? Donc, ça, c'est l'arbre de profondeur D ayant le moins de nœuds. Celui-là, c'est l'arbre de profondeur D ayant le maximum de nœuds. Si on veut savoir quelle est la profondeur de ces arbres-là par rapport au nombre total d'éléments, si on en a 2 à la D puis qu'on prend le log base 2, on revient à D. Donc, si ce qu'on avait dans nos mains, c'était N égale à 2 à la D, on veut connaître la profondeur, on sait qu'il est balancé, ça devient donc log base 2 de N. OK? Donc, on en a parlé un peu au dernier cours, ou en fait, on en a parlé pas mal.
l'efficacité des arbres binaires de recherche, elle dépend vraiment de la topologie, de ce que l'arbre a l'air. Si l'arbre y est balancé, on sait que s'il contient n éléments, au maximum, sa profondeur va être log base 2 de n, n le nombre d'éléments. Donc, le nombre maximal de questions que je vais me poser pour trouver si l'élément était présent ou pas, ça va être log base 2 de n, le nombre d'éléments. Et ça, on va voir dans les prochains écrans, le log, c'est une fonction qui ne croît pas vraiment rapidement. C'est ce qu'on aime des logs. OK, donc, je pense que c'est évident, on en a déjà parlé. Les arbres n'ont pas forcément cette belle allure-là de façon naturelle. Okay? Dans tous mes exemples, j'ai vraiment fait attention pour vous donner des arbres qui avaient une belle allure, qui étaient balancés, mais ça ne vient pas de façon naturelle. Ici, on a deux arbres qui ont les mêmes clés, sauf que il y en a un qui est vraiment très linéaire. Puis en fait, je vous l'ai présenté juste pour que ce soit clair que ce n'est pas une liste chaînée. Parce que si je vous avais montré le pire exemple qu'on peut avoir, ce serait celui-là. On voit bien qu'ici, la profondeur de mon arbre, c'est en fait n. Ici, c'est log base 2 de n. Il faut d'abord que vous soyez convaincu que les deux sont des arbres binaires de recherche valides. Ici, tous les nœuds sont tels que les clés qui sont à gauche sont plus petites, il n'y en a pas, et les clés qui sont à droite sont plus grandes, il y en a plein. Comment ça se fait que j'ai obtenu ces deux arbres qui ont les mêmes clés, qui sont des arbres binaires de recherche, mais qui n'ont pas la même topologie? Donc, je vais répondre à ça bientôt. Donc, ça aussi, je vais sauter puisqu'on en a déjà parlé. Ce qui fait la force des arbres binaires de recherche, c'est qu'on peut éliminer la moitié de l'espace de recherche en prenant nos décisions. OK, ici, juste au cas où vous n'êtes pas super familier avec le log base 2, je vous montre la croissance du log base 2 jusqu'à 1 péta, 10 à la 15. Vous voyez que cette fonction-là, elle croît vraiment très, très lentement. En fait, si on va encore plus loin, on voit que si on avait un zeta byte d'information, c'est-à-dire ce que l'humanité produit en une journée, puis on l'avait mis dans un arbre binaire de recherche, puis qu'on a des clés, là, comparable, puis qu'on a la chance que cet arbre-là soit balancé, le nombre maximal de tests à faire pour déterminer si la clé est dans l'arbre ou pas, ce serait 69 tests. Si on multiplie ça par 1000, donc vraiment 3 ans de données de l'humanité, on est à 79. Multiplier ça encore par 1000, ça va devenir, c'est encore très, très abordable. Donc, c'est vraiment intéressant comme structure de données. OK. On va regarder avec un exemple, essayer de comprendre comment on peut obtenir des arbres balancés ou pas. On va voir si on est capable de régler ce problème-là. Donc, je vais construire un arbre binaire de recherche, puis
Votre but, c'est de découvrir l'algorithme que j'utilise. Okay? C'est faire reverse engineering, c'est-à-dire, moi, je vous présente l'algorithme, je vais construire l'arbre avec un algorithme que j'ai en tête, puis vous me dites comment il fonctionne, cet algorithme-là. Donc, au début, mon arbre il est vide, ma page est blanche. Je vais ajouter le lion. Le lion est ici. Ensuite, j'ajoute le renard. Donc, le renard est plus petit que le lion. Fox, plus petit que lion. Fait que là, il s'en vient ici. Ensuite, je vais ajouter le rat. Le rat est plus grand que le lion. OK. Évidemment, en ordre alphabétique, hein? OK, je vois des gens qui me disaient, si tu me montres un rat qui est plus grand qu'un lion, moi je déguerpis, là. OK. C'est drôle, ça marche à chaque année. On va ajouter le chat. Donc, le chat est plus petit que le lion, puis il est plus petit que le renard, fait que je vais ajouter mon chat ici. Je vais ajouter le cochon. Donc, le cochon est plus grand que le lion, mais est plus petit que le rat. Fait que je vais l'ajouter ici. Je vais ajouter le chien, dog. Donc, c'est plus petit que le lion. C'est plus petit que fox. Mais c'est plus grand que le chat. Donc, j'ajoute « dog » ici. Finalement, on va ajouter le tigre, « tiger ». Donc, le tigre est plus grand que le lion et plus grand que le rat. Je vais ajouter mon tigre ici. Je n'ai pas fait d'erreur. C'est bien un arbre binaire de recherche. Tout ce qui est à gauche est plus petit. Ce qui est à gauche est plus petit, ce qui est à droite est plus grand. OK, donc je pense que ça a marché. Mon arbre, il est pas trop mal. Il a une allure à peu près, il n'est pas balancé, puisque j'ai ça ici qui a un seul descendant, mais qui n'est pas sur mes deux derniers niveaux. Il n'est pas balancé, mais il n'est pas trop débalancé non plus. Comment est-ce que j'aurais pu, par cet algorithme-là, obtenir le pire des arbres possibles? Oui? Si, puis je vais changer de couleur, si le premier élément ajouté avait été le chat, cat, puis qu'ensuite on m'avait donné dog, puis qu'ensuite on m'avait donné fox, puis qu'ensuite on m'avait donné lion, puis qu'ensuite on m'a donné rat. Oh, oh, on revient en arrière. Ensuite on m'avait donné pig, rat, etc. Donc, si on me les avait donnés en ordre croissant, j'aurais obtenu une structure linéaire vraiment pas utile. Y a-t-il un autre exemple? Y a-t-il une autre façon? J'aurais pu obtenir un arbre vraiment dégénéré. Pardon? Décroissant. Si on m'avait donné tiger, si on me les avait donnés dans l'autre ordre, j'aurais obtenu un arbre qui aurait été constitué seulement de fils gauche. Donc, c'est vraiment, dans ce cours-ci, l'ordre dans lequel on reçoit les éléments va dicter la topologie de l'arbre. En fait, quand je me suis amusé à écrire le dernier devoir, j'avais d'abord programmé Linear Frequency Table
puis j'avais écrit l'algorithme qui génère les clés de façon à ce qu'il génère les clés en ordre croissant. Puis là, ça faisait en sorte que ma méthode pour construire, pour ajouter les éléments dans ma structure linéaire, était super efficace. Puis ensuite, je construis mon arbre binaire de recherche. Je mesure les temps de calcul. C'était pire qu'avec Linear Frequency Table. Fait que là, ça n'allait pas trop bien mes affaires parce que je voulais vous donner un devoir où je démontrais que c'était 20 fois plus vite. Puis là, j'avais pas ce que je voulais. Là, j'ai allumé. Ah, Marcel, il faut que tu construises les clés telles que tu obtiens un arbre qui est balancé. Puis j'ai juste fait un petit test, un petit changement dans l'algorithme qui génère les clés. Puis on a un arbre qui nous donne des bons temps de calcul. OK. J'efface un peu de ce que j'ai fait. OK. C'est quoi l'algorithme que j'ai utilisé pour construire mon arbre? Question reliée. Est-ce que vous connaissez un algorithme qu'on a déjà vu qui ressemble à l'algorithme que j'ai utilisé pour construire mon arbre? Quel animal n'est pas dans notre arbre? Un zèbre? Zebra? Donc, le zèbre est plus grand que le lion, est plus grand que le rat, est plus grand que le tigre, zebra. Je vais ajouter une girafe. Plus petit que le lion, plus grand que fox. J'ajoute ma girafe là. Je vais ajouter quelque chose, un animal qui commence par A. Pardon? Oui. Pardon? Un aigle. OK. En français, oui. En anglais, eagle. Aardvark. OK. Ça commence pas avec un H. Hein? Ça commence avec deux A. Avec deux A? Ah, OK. Cool. Donc, là, je vais ajouter le aardvark avant, là. Essayez de voir l'algorithme, là. On veut du code bientôt. Aardvark est plus petit que le lion. Il est plus petit que le renard. Il est plus petit que le chat. Je l'ajoute là. C'était quoi ton animal? C'est pas un animal, j'ai figuré, c'est pas l'animal. Ah, OK, c'est quoi? OK, oui, vas-y. Ah, non, 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 on a vraiment... OK. Pour les comparaisons, on utilise la méthode « compare to ». Ça, c'est déjà résolu comme problème, là. C'est... Les objets sont comparables, ont une méthode « compare to », on l'appelle, elle va faire la comparaison des chaînes de caractères. Ce que je cherche, c'est vraiment l'algorithme qui va faire « new node », boum, on le branche dans l'arbre. Qu'est-ce qu'on a vu comme méthode qui ressemble à ça? Oui. Donc, on débute à la racine, on fait un test. Selon que c'est plus petit ou plus grand, on se déplace à gauche. Qu'est-ce qu'on a vu qui ressemble à ça? Non? Oui? Non, ça, c'est... Parcours, ça veut dire je vais visiter tout le monde. On ne visite pas tout le monde ici. On suit un chemin, c'est itératif. Pardon? Non. Oui. Non. C'est beaucoup plus simple. Contains. Hey, contains. Quand on voulait savoir, est-ce que la clé est là? Je pars à la racine, c'est pas égal, elle est plus petite. Si elle est dans l'arbre, je m'en vais à gauche. Est-ce que c'est égal? Non. Elle est plus grande, je m'en vais à droite.
OK, donc c'est contains. C'est vraiment pratiquement le même algorithme. Je vous montre contains. Ah, c'est le dernier cours, hein? Ça prend un peu d'effort pour focusser, là. Ça, c'est contains. Donc, contains, current égale à root. J'ai pas trouvé, current n'est pas nul. Je fais mon test. Si c'est égal, je l'ai trouvé. Sinon, je m'en vais à gauche puis à droite. Puis ça, je parcours un seul chemin. Comment est-ce qu'on modifie ça pour que ça soit, pour que ça nous permette d'ajouter? OK, je veux faire des modifs là-dessus, puis ça devient add. Quand j'ai sorti ici? Ici, là, après? Après le while? OK. Je peux le faire. Je vais aller dans le coin, là. Je vais aller me peinturer dans le coin. Tu fais quoi si current égale à nul maintenant? Tu as parcouru tout l'arbre, current est égal à nul. Ça te permet-tu d'insérer dans l'arbre? Non, ça serait le next. Je veux que le next soit nul. OK. OK, donc on est d'accord que si je fais tout mon parcours, j'arrive à la fin, current égale à nul, je n'ai pas une référence vers le nœud d'intérêt. On revient en arrière. M, un mammouth. OK? Je vais ajouter un M quelque chose. Votre animal qui commence par M favori. OK? Je vais utiliser vert. Je vais ajouter Marcel dans l'arbre. OK? OK. Alors, Marcel est plus grand qu'un lion. Marcel est plus petit que le rat. Ensuite, puis là, c'est sérieux, là. Marcel n'est pas un cochon. Marcel est plus petit que le cochon. Si Marcel était dans l'arbre, Marcel serait connecté là. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai trouvé l'endroit, la clé serait dans ce sous-arbre-là. Mais, la valeur left était nulle. Je remplace left par new node, je l'ajoute. C'est vraiment contains. Je cherche. Si la clé était présente, elle serait dans ce sous-arbre-là. Il n'y en a pas. Hey, tu as trouvé l'endroit parfait pour l'ajouter. Tu remplaces current.left par le nouvel élément à ajouter. Et donc, c'est vraiment ici, si j'efface un peu, l'idée, c'est la suivante, c'est ici. Je fais mon test, puis je dis, si cette valeur-là était dans l'arbre, elle serait dans mon sous-arbre gauche. Si current.left égale à nul, à ce moment-là, j'ai trouvé l'endroit où ajouter. Current.left est égal new node et j'ajoute la valeur. De la même façon, je fais mes tests, je me déplace.
La valeur du test me dit, si la clé était présente, elle serait à la droite de celle-ci, sauf que current.write est égal à nul. L'endroit rêvé pour ajouter la clé, elle est plus grande que la clé qui s'y trouve. Il n'y avait aucun sous-arbre là. Donc ici, de la même façon, puis je vais vous montrer le code final, là, il y aurait si current.write est égal à nul, j'ai trouvé l'endroit où la clé devrait être, current.write est égal à new node. Et voilà, c'est là où on va ajouter. Je vous montre le code. Il est là. OK, donc, si on regarde tout ça. Donc, j'ai un booléen. Tant que je n'ai pas terminé mon travail, je fais mon test. Je compare la clé dans l'élément désigné par current à l'élément que je vais ajouter. Si la valeur du test, c'est 0, la clé existait déjà, je ne l'ajoute pas à nouveau dans l'arbre. Si la valeur du test, c'est plus petit que 0, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille dans mon sous-arbre gauche, mais il se trouve que current.left est nul. Excellent. C'est l'endroit où on va insérer le nouvel élément, done égal à true. Sinon, la valeur était plus petite, il faut que je continue à descendre dans le sous-arbre gauche, current égal à current.left. Finalement, si la valeur du test disait, non, elle n'est pas plus petite, elle est plus grande, on va du côté droit. Si current.write était nul, super. J'ai une clé, elle est plus grande que current.value. Il faut forcément qu'elle soit dans le sous-arbre droit. Il n'y en a pas de sous-arbre droit. J'en crée un, c'est le nouvel élément. Okay? Puis sinon, s'il y avait déjà une clé, bien, il faut aller plus profondément dans le sous-arbre droit. Okay? Puis là, ce qui manquait dans tout ça, c'est qu'il y avait un cas spécial. Puis vous avez peut-être vu les écrans passer rapidement. Il y a un cas spécial où, au début, cet arbre-là, il est vide. Quand je fais current égale à root, current égale à nul, bien, il faut que je crée ce nouveau nœud-là dans l'arbre. OK? Ça vous va? Maintenant, on est capable d'ajouter des éléments. Notre seul problème, c'est que nos arbres, leur allure, leur topologie va dépendre de l'ordre dans lequel on va les ajouter. C'est plat. Cours de structure de données, vous devriez voir des arbres qui sont des arbres auto-balancés, AVL. C'est des arbres tels que l'arbre, on s'assure, il est toujours balancé. Je fais un ajout, je trouve l'endroit, puis là, tout d'un coup, oups, mon arbre est un peu débalancé. Petite rotation de l'arbre, je fais une promotion, je prends un nœud, tu deviens la nouvelle racine, l'arbre est balancé. Je fais un ajout, ça s'en va vers le côté droit. Oups, mon arbre est un peu débalancé. Rotation vers la gauche, puis l'arbre revient balancé. Il va avoir un coût à ça où l'ajout va être un petit peu plus coûteux. Quand l'arbre devient débalancé, il va falloir faire des rotations d'un bord puis l'autre. Ça va avoir un coût, mais ces arbres-là vont avoir la propriété d'être auto-balancés, des arbres AVL ou red-black. OK. Donc, vous devriez avoir hâte au cours structure de données. Oui? La rotation? Oui, la rotation. OK. De toute façon,
c'est à titre indicatif seulement, là, dans ce sens où c'est un concept qui est développé dans le cours de structure de données. Mais disons que j'ai 4, 2, 1. Je dis, wow, mon arbre est... Quand j'ai ajouté le 1, mon arbre était très débalancé. Je vais l'attraper par... Je vais faire une rotation vers la droite. Je vais promouvoir... Wow, wow, wow. Multi-touch. OK, ce ne sera pas bien long. Je retrouve l'écran. Tabarnouche. OK, donc je vais faire une rotation vers la droite, puis je vais me retrouver avec 2 et ma nouvelle racine, 4 et 1. OK, donc il va y avoir des rotations à gauche ou à droite d'un arbre ou d'un sous-arbre en fonction de son degré de débalancement. On va ajouter aux éléments, au nœud, un élément d'information qui est la profondeur. Donc là, si j'ai un arbre, puis je regarde du côté droit, j'ai profondeur D, du côté gauche, j'ai D plus 2, bien, je vais dire, je vais faire une rotation dans ce sens-ci ou dans l'autre sens si j'avais le débalancement de l'autre côté. Ouais. Il y a une tolérance. Normalement, ce qu'on fait, c'est il y a, parce que ces opérations-là de rotation de l'arbre vont être coûteuses, on va tolérer un débalancement de plus ou moins 2. Et on va, avec ça, on garde quand même les belles performances logarithmiques de l'arbre. Donc, c'est un trade-off, comme on dit en français. OK, là, on va faire la dernière chose qu'on a à faire, qui est de retirer un élément. Si ajouter un élément est facile, c'est comme la méthode contains, retirer un élément est pas mal plus difficile. En fait, je vais même... Le code est dans les notes de cours en classe. On va rester au niveau conceptuel. Dans l'examen, je ne vais pas vous demander de retirer un nœud d'un arbre. Okay? Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est juste que le code fait à peu près 3-4 pages juste pour retirer un élément. Par contre, la discussion est super intéressante, je trouve. Ça nous fait questionner sur... toutes sortes de propriétés des arbres. Donc, ça nous prend un algorithme qui va être général. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver des scénarios, on va classifier les différents cas. Quel est le type de nœud le plus facile à retirer? Oui? Pardon? Une feuille, ça semble facile. Je veux retirer 3. Qu'est-ce que je fais? Parent, point right, égal à nul. Je veux retirer le 1. Parent, point left, égal à nul. Retirer une feuille est simple. On est d'accord? Je prétends que retirer un nœud qui contient un seul descendant est aussi une opération simple. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Est-ce qu'on retire aussi tout ce qui est en dessous ou tout ce qui est en dessous? Non, tout ce qui est en dessous demeure. OK, donc, dans le cas des feuilles, bien, c'était simple, il n'y en avait rien en dessous. Mais là, je veux retirer 7.
7 est un élément qui a un seul descendant. Pour rendre l'exemple plus pertinent, il faut imaginer que ici, j'ai 7.1, 7.2. J'ai plein de petites valeurs là qui sont plus grandes que 7, mais plus petites que 8. Puis, ici, j'ai 8.1, 8.2. J'ai plein d'éléments. Est-ce que je pourrais avoir 9.2? Non. Non, parce qu'il faut que ça soit strictement inférieur à 9, mais plus grand que 8. Fait que j'ai un sous-arbre ici, puis il y a beaucoup d'éléments là. Il est pesant, ce sous-arbre-là. Mais je prétends quand même que retirer 7 est quelque chose de facile. Comment on fait? Okay, derrière, je te donne une autre chance. Là. Tantôt, là, c'était pas fort. Là. Pas de pression, là. Aucune pression. J'avais confiance en toi. On va connecter son fils droit. On va remplacer le fils droit dans ce cas-ci. Donc, on va faire la promotion, si on veut. On va dire, maintenant, 9 pointes sur le fils droit. Donc, on va avoir ici, si ça, c'est « parent » qui désigne cet élément-là, on va tout, puis que ça ici, c'est current. On va tout simplement dire parent.left est égal à current.right. Puis ça, c'est le fun parce que c'est indépendant du nombre d'éléments qui est en dessous. Je fais juste parent.left est égal à current.right. Poum! Il est ajouté là. Il y avait 1 million d'éléments en dessous. On s'en fout. Oui, tu avais un follow-up. Dans le cas de la branche plus petite que 6, donc, si on était à enlever le 2, oui. Ah, ça, c'est trop compliqué. Je ne suis pas là encore. Je ne suis pas encore là. OK, donc là, on est d'accord que retirer une feuille, c'est facile. Retirer un nœud qui a un descendant, c'est facile. On est d'accord avec ça? Là, je vais vous dire quelque chose de très provocateur. Je prétends que retirer le nœud le plus à gauche de l'arbre est facile. Pourquoi? Parce que ici, c'est le parent, donc il n'y a pas de branche en dessous. Ou c'est le nœud qui peut être remplacé par un. Ben, je pourrais avoir un élément là. Mais dans ce cas-ci, le plus. Ah, oh, ouais, c'est vrai. OK. Si on prend l'arbre qui est ici, celui qui commence avec le 9, je prétends que retirer l'élément le plus à gauche est une opération facile. Pourquoi? Oui? Parce que si c'est l'élément le plus à gauche, ça veut dire que c'est soit une feuille, soit qu'il y a juste un élément en dessous. Et tu peux faire un des deux cas qu'on a déjà expliqué qui est facile. Oui, tout à fait. Pourquoi l'élément le plus à gauche ne peut pas avoir un fils gauche? Parce que dans ce cas-là, son fils n'était pas plus à gauche. Parce qu'il n'était pas plus à gauche. Il y en avait un qui était plus à gauche. Fait qu'on est d'accord que l'élément le plus à gauche est soit une feuille ou possède un fils droit. Puis on s'est entendu que c'est facile de traiter ces cas-là. Un autre argument très... Bien, celui-là, il va être moins provocateur. Retirer l'élément le plus à droite est facile. L'élément le plus à droite est forcément une feuille ou n'a qu'un fils gauche. S'il y avait un fils droit, il n'était pas le plus à droite. C'était son fils. Donc, là, on commence à être en business.
Retirer une feuille, c'est facile. Retirer un nœud ayant un descendant, c'est facile. Retirer le plus petit élément, parce que finalement, c'est ça, hein? L'élément le plus à gauche est aussi la plus petite valeur. Donc, retirer le plus petit élément est facile. Retirer le plus grand élément est facile parce que c'est le plus à droite. Fait que là, il nous reste juste à faire un tour de magie, puis on va être correct. J'efface tout ça. Oui. C'est bon? Est-ce que ça dépendait des dessins ou? Pardon? OK, donc j'efface tout ça à nouveau. OK, bien, il nous reste juste un cas à traiter. Enlever un élément interne de l'arbre. L'élément qui, entre autres, qui pourrait être problématique, c'est celui-là. Si je le retire, je me ramasse avec une forêt. J'ai deux arbustes. Comment retirer une racine locale? Okay? Chaque élément là, qui a deux descendants, on peut le traiter comme une racine locale. Ici, 6, c'est l'élément global. Ouais. Est-ce qu'on pourrait traiter un de ses fils comme une nouvelle racine? Puis là, tu sais, quand on retire le 6, bien là, on est sur la bonne voie. On va faire une promotion. On va prendre un élément puis le promouvoir pour qu'il devienne l'élément racine. Sauf que ce que tu as proposé n'est pas la solution idéale. Il va y avoir deux solutions qui vont être le miroir l'une de l'autre. Puis ce qui est important ici, c'est qu'on doit maintenir la propriété d'être un arbre binaire de recherche. C'est clair que je ne peux pas juste monter le 9 en haut, parce que là, je vais avoir 9 qui a un descendant à droite qui est 7. Ça ne marche pas. OK? Donc, on veut maintenir la propriété d'être un arbre binaire de recherche. Il va y avoir deux stratégies qui sont le miroir l'un de l'autre. Prenons une stratégie en premier. Imaginez que je veux promouvoir un élément du sous-arbre gauche pour devenir la nouvelle racine. Quel est le meilleur candidat parmi toutes les valeurs qui se retrouvent dans le sous-arbre gauche? Pensez à ces éléments-là en ordre croissant. Quel est l'élément du sous-arbre gauche qui est le meilleur candidat pour devenir la nouvelle racine? Oui. Pardon? Ah non! Regarde, si je mets 3 en haut, 5 est plus grand que 3, mais c'est à gauche de 3, ça va mal. OK? Donc, pensez à ce que j'ai dit. Je veux promouvoir une valeur pour être la nouvelle racine. Je dois avoir la propriété que toutes les clés à gauche sont plus petites que. Quel est le meilleur candidat pour faire la promotion vers la racine? 5? Pourquoi? Cinq est la plus grande valeur
strictement plus petit que 6. Forcément, si je fais la promotion de 5, toutes les autres clés seront inférieures. Bingo, j'ai ma propriété d'un arbre binaire de recherche. Encore mieux que ça, je veux retirer la plus grande valeur de mon sous-arbre droit. Qu'est-ce que ça veut dire? La plus grande valeur de mon sous-arbre droit est forcément une feuille où possède un sous-arbre gauche. On s'est entendu là-dessus tantôt. Donc, en faisant la promotion de la plus grande valeur dans mon sous-arbre gauche, je maintiens la propriété d'être un arbre binaire de recherche. Cet élément-là est forcément une feuille où possède un sous-arbre gauche. Sinon, s'il y avait quelque chose à droite, ce n'était pas la plus grande. Il y avait une valeur plus grande, puis c'était le meilleur candidat à promouvoir. Je vous ai dit, il y a deux stratégies. C'est clair que je peux faire la même chose du côté droit. Si j'avais à choisir une seule clé du côté droit, quelle est la meilleure clé à choisir? 7. La plus petite valeur des éléments qui sont strictement plus grands que 6. C'est le 7. 7 est forcément une feuille ou possède un fils droit. S'il y avait un fils gauche, ce n'était pas la plus petite valeur des valeurs qui sont plus grandes. Okay, donc, ça ressemble un peu au cours de, j'espère, de maths discrète. Là. C'est le genre d'idée qu'on devrait regarder dans ce cours-là. Est-ce qu'il y avait un commentaire par là? Non? Oui? Oui? Ça veut dire que je retire le 7. Ça veut dire que 8 devient le fils de 9 et 7 devient ma nouvelle racine. Donc, j'aurais d'abord fait le retrait. Retire 7. Insère 7 à la racine. Donc, il y aurait eu ici pour un appel à une méthode qui s'appelle « retire le plus petit élément de mon fils droit ». Il va faire le travail, il me retourne la valeur, je la mets dans la racine. Tu vois, c'est pas très… Si on est systématique comme ça, c'est pas si compliqué. OK, après ça, il y a 30 pages dans les notes de cours où vous pouvez voir comment ça marche en Java. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus ici. OK, donc, on va finir sur l'idée qu'il existe d'autres algorithmes, d'autres structures de données, dont les arbres AVL, les arbres rouge-noirs, qui ont ces propriétés-là d'être auto-balancés. Il y a des arbres qui sont généraux. Il y a beaucoup de beaux algorithmes qui tournent autour des arbres. OK. Donc, on va arrêter ça là. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bien, si vous n'avez pas de questions, on a fini notre session. Fait que vous êtes libre de quitter ou de rester si ça vous tente de jaser. Je vais rester ici un petit peu. Merci à vous autres. Vous êtes pas mal bons aussi. OK?